Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon, de retour pour un nouvel épisode de Last Train Home. Allez, on est reparti, j'ai dû faire une petite coupure parce que je n'avais pas beaucoup de temps en fait, donc je reprends ma session avec les deux derniers épisodes, avec l'épisode 5 et 6. Et nous avons fini Penza, auquel c'était assez spécial pour cet épisode. J'en suis navré qu'il soit très long, j'ai tenté de faire quelque chose. Deux, trois petites coupures pour essayer de le raccourcir, mais il durait au moins 1h20 de base. J'en suis vraiment navré. Mais j'espère au moins que ce sera vite réglé pour les prochains épisodes. Parce que à partir de maintenant, je vais raccourcir le plus possible les choses à voir. Maintenant qu'on connaît un petit peu le système du jeu. Maintenant, on sait comment... Comment aller fouiller un petit peu les secteurs et rejoindre la prochaine ville que Samara, il n'y a pas de mission là-bas? D'accord. Les prochaines missions, bien sûr, je vous laisserai les éléments clés auxquels il y aura, entre guillemets, un événement spécial. Et ah, on voit l'autre voie de chemin de fer qui... Auquel on aurait pu passer par le nord. Ah, c'est beau ça, ce genre de petits détails. Et comme j'ai choisi le sud, bah on va partir vers le sud. Malheureusement, je n'ai pas fait de recherche pour savoir si l'équipe auquel on contrôle a vraiment traversé la zone du nord ou du sud. Apparemment, selon moi, ils ont certains légionnaires tchécoslovaques, ils ont été dans les deux voies chemin de fer. Tant que c'était possible pour eux, ils prenaient tous les chemins possibles. Mais j'ai pris le plus dur à ce qui paraîtrait. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais me diriger vers Samara pour cet épisode. Je vais essayer. Et s'il y a des événements ou des missions qui vont se produire, je vous le laisserai, bien sûr. Par contre, j'ignore si je vais vraiment finir Samara en un seul épisode. On verra. Donc, j'ai une équipe, très grosse même l'équipe. Donc eux, je peux pas le renommer, c'est bien dommage. Eux, ils vont aller directement à Yulovo. Et ils sont déjà pas trop mal. C'est parti. Pendant que je reconstitue l'autre équipe, parce que alimentation du train, amélioration... oui, j'avais fait quelques petites améliorations sur la sur les wagons. Toi, tu fais la conduite, alimentation. Toi, t'es disponible. Équipement pour ce rôle au combat manquant dans l'inventaire du train. Ah bah oui, je crois que je n'ai plus de grenades, c'est ça. Va falloir faire attention, mais ce serait bien d'utiliser certaines unités. Ah, d'accord. J'aime pas ça, le mode de malchanceux.
Voilà. Et ceux-là, ils sont occupés. Et il n'y a plus de munitions pour celui-là. Aïe, ça va être très dangereux. Pour la suite. Bah, eux, je vais peut-être les envoyer à la forêt pour aller voir s'ils peuvent aller me chercher quelque chose. Ah non, que dalle. Ils peuvent rien récupérer, eux. Bon, bah, ils vont aller à Tirchim. Ouais. Ils pourront y aller. Pendant que le train, lui, il va se déplacer. C'est parti. Et oui, j'ai pu en profiter. Fabrication et recherche. Oui, d'accord. Parce que je vais vous montrer ça. Bah tiens, je vais vous le montrer tout de suite. Hop là. Alors, comme vous le voyez, la locomotive, 2 améliorations. C'est pas trop mal. J'ai fait quelques améliorations aussi au niveau du wagon de stockage. Au cas où, si on se ferait attaquer par des rats. Parce que oui, les rats pourraient s'attaquer aux provisions de nourriture. Et ça serait grave problématique si jamais ces rats nous attaquent le peu de nourriture qu'on aura. Par contre, il y a des pièges à rats auxquels on pourra s'en faire de la nourriture pour nous. Et ça, je dis que c'est bien. J'ai amélioré un petit peu le deuxième wagon d'infanterie. Pas tout, malheureusement, parce qu'il me faut quand même certaines ressources pour pouvoir l'améliorer. Le wagon numéro 3, il sera le dernier à être amélioré. Et le wagon d'atelier, j'ai fait 2-3 petites modifications. Auquel il y a son poêle pour que la personne qui va faire les améliorations et construction de munitions soit au minimum à l'aise dans son wagon là. Et je crois que j'en ai pas fait d'autres. Et qu'est-ce que nous avons au niveau construction? Bah pour l'instant là, de nuit, il y aura personne qui va s'en occuper, mais les munitions vont quand même se créer de jour. Un total de 5 heures si je dis pas de conneries pour le temps restant. Je crois que c'est ça. Mais c'est déjà ça, c'est déjà pas trop mal. J'aime bien ce jeu au final, hein. Il est pas mal, même s'il y a un côté stratégique pour survivre. Survivre avec nos unités un peu partout dans la région. Par contre, il va me falloir vraiment avoir un wagon militaire auquel je dois avoir des soldats qui puissent défendre la locomotive. Parce que pour l'instant, là, j'ai rien pour défendre la locomotive. Mes hommes pourront se faire facilement attaquer. Et avec cette barre de menace qui vient d'apparaître à partir de maintenant, bah, j'ai un petit peu peur que pour chaque arrêt et pour que chaque amélioration qui se fera, bah, la menace va augmenter et la locomotive attaquer. Votre escouade atteint une église sur la colline. Des murs d'un bleu vif fraîchement peint se mêlent à des éléments décoratifs blancs et de merveilleuses tourelles dorées. Ah, je l'ai déjà vu sur l'une de mes parties par le passé. C'est intéressant si j'ai le bon personnage. Je dois admettre qu'ils construisent de superbes églises. Si seulement ils pouvaient aussi suivre le commandement, tu ne tueras point. Eh bien, les gens ordinaires le suivent. Ah si, j'en ai bien un. Vous savez qu'il y a une différence dans l'enseignement religieux entre tuer en général et tuer en temps de guerre, n'est-ce pas? Quelle est la différence? Il y a le droit de se défendre, mais les détails dépendent des enseignements religieux avec lesquels vous avez été élevé. Donc vous dites que si c'est pour vous défendre, vous pouvez tuer, alors notre retour à la maison est de la légitime défense et ceux qui attaquent commettent un péché? Tout à fait. Ceux qui nous attaquent commettent alors un péché. Ouais, leur sang coulera sur leur propre tête. Antonine rit du sarcasme de Camilla. Quand il n'y a aucune foi dans ses rires, la nature ambivalente de votre situation n'est pas facile à comprendre. Bartholomew enchaîne avec une description de la Torah et de ses passages sur le meurtre justifié. D'autres écoutent attentivement, même si personne ne souhaite s'étendre sur le sujet. Allons visiter l'église. Un soldat frappe à la porte de l'église, un prêtre ouvre, sort et les accueille. Il est assez âgé, mais ses yeux reflètent un esprit toujours vif. Il a un gentil sourire. Je suis le prêtre Glebov. Cherchez-vous un refuge dans notre église? Non, mon père. Nous voyageons pour rentrer chez nous. Nous sommes tchécoslovaques. Ah oui, vous êtes la Légion. Bienvenue, bienvenue. Vous et votre gouvernement parisien avez notre respect pour votre effort de neutralité. Votre église n'est-elle pas du côté du tsar et de l'armée blanche?
Non, c'est que les bolcheviks essaient de vous faire croire. Nous poursuivons de nombreuses réformes et nous nous efforçons de restaurer le patriarcat. Ne deviendrez-vous pas un ennemi encore plus grand que l'armée rouge? Peut-être, mais bien, mais je ne vois pas d'autre moyen d'unir toutes les parties du conflit. Quelque chose de plus grand que l'homme doit tous nous unir, et cela ne peut pas être une idéologie. J'espère que vous avez des armes cachées dans l'église pour votre bien. Nous avons beaucoup de livres, mais des armes, je ne les aime pas beaucoup. Pourtant, je comprends qu'elles soient nécessaires. Vous vous dirigez vers Vladivostok, n'est-ce pas? Oui, mon père. Vous avez un long chemin à parcourir. Je prie pour votre retour sain et sauf. Venez avec moi. Le père Glebov invite vos soldats pour un humble repas et une prière. Bartholomew, je vais pas y arriver, insiste pour y aller et l'escouade accepte. Avant que votre escouade ne quitte l'église, le père Glebov vous propose de prendre une partie de ravitaillement. Il dit qu'il s'agit d'un cadeau de l'église orthodoxe russe à l'église tchécoslovaque. Putain, ça c'est beau ça. Et du bois en plus. C'est soit l'un soit l'autre. Alors côté bois, ouais, j'en aurais vraiment besoin pour améliorer le train. J'en ai vraiment besoin. Côté bouffe, on est bien. Pour l'instant, on est très bien. Donc, on va prendre du bois. Le père Glebov a fait un signe à vos soldats et même Antonine, qui est de nature sceptique, se sent, pendant un instant, comme une personne normale qui rencontre un bon voisin. C'était agréable, mais étrangement déplacé. Oh, c'est joli ça, j'adore ce genre de moment. Et qu'est-ce que nous avons en plus au marché? Ok, oh, une bonne chasse. Il n'y a pas de plantes malheureusement. Oh putain. Oh là 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 là. Ah, ça fait mal. Ah, dégueulasse. Dégueulasse, salopard. Une petite foule se rassemble autour du train. Les habitants ont apparemment déjà rencontré des légionnaires. Mais on ignore dans quelles circonstances vous observez des visages tristes et excités devant vous. Et vous sentez une grande anticipation dans la foule. Vos soldats s'observent nerveusement depuis le train. Un de vos soldats assure à la population que vous ne faites que passer et que votre train va bientôt partir. La foule est invitée à rentrer chez elle et la plupart commencent à partir. À l'exception d'une femme qui marche dans votre direction. Je vois, ou pas. Je dois vous parler, mais pas devant les autres. Elle a visiblement peur d'être entendue et regardée autour d'elle d'une manière presque paranoïaque. Quand certains civils vous voient, ils parlent, ils froncent les sourcils. Je vous supplie, aidez-moi, je connais une usine à proximité, contrôlée à présent par les rouges. J'ignore ce qu'on y fabrique, mais beaucoup de camions vont y venir. Les habitants des villages environnants sont forcés d'aller travailler là-bas. Pour les rouges. Vous pourriez donner une leçon à ces ports si vous les détruisez. Alors, le ferez-vous? Nous ferons au mieux, ne vous inquiétez pas. Un air de soulagement apparaît sur le visage de la femme. Elle semble résister à l'envie de vous serrer dans ses bras. Merci, mon mari y a été emmené il y a quelques temps et mon fils y est maintenant aussi. J'espère qu'au moins l'un d'entre eux reviendra. J'ai su tout de suite que vous aviez bon cœur. Tarir la ressource. Aïe. Olgino, super. Et qu'est-ce qu'on a Ah, mais c'est pas vrai, mais c'est quoi cette poisse? En raison de l'épaisse couche de brouillard qui recouvre la vallée, il aurait été facile de manquer cet endroit. Il s'avère que ce brouillard est un smog provenant d'un grand complexe industriel. Vos éclaireurs découvrent bientôt qu'il s'agit d'une raffinerie. La détruire créerait une complication majeure pour les rouges. Cependant, le site est bien défendu. Les canons d'artillerie sont braqués sur la voie d'accès principal. Vous remarquez également un camp militaire à proximité, d'où des renforts pourraient être appelés en cas de problème. Allons-y. Les fusils sont vérifiés et les munitions sont comptées et répartis équitablement. Certains de vos soldats murmurent des prières et
Tiens, réconforte le reste de l'unité par des mots d'encouragement et des conseils. Vos soldats arrivent bientôt près du complexe, près de la bataille. Aïe, moins 16 de morale, dommage. On va bien voir comment ça va être. On va bien voir comment ça va être, mais je le sens mal, bizarrement. Je le sens mal. Et ça fait à peine 20 minutes de vidéo pour moi. Tenhle tovární komplex je nejspíš klíčový pro vojenskou výrobní kapacitu Rudé armády. Je dobře hlídaný, protože vědí, že pokud se nám podaří zničit ta sila, dokážeme zdržet a možná i zastavit jejich postup. Zdá se, že mají dělostřelecké zbraně, takže důrazně doporučuji najít k těm silům alternativní cestu. Životy našich vojáků jsou důležitější než vaše sláva. Nevadilo by mi pozrieť sa na zúbok tým dělostřeleckým čatám. Připravenější okay. Už nebudu. Éliminer les équipes d'artillerie et infiltrer dans le complexe. Ok, l'artillerie se trouve là. Et il y a des moyens de se cacher, à ce que je vois. Et il faut détruire ici. Dle rozkazu. C'est parti, voyons voir ce qu'on a là. Kto si ja som? Vidím nepriateľa. Samozrejme. Poslouchám. Un qui est en mode discret? Bah non, il y en a une qui est pas en mode discret, putain. Připravenější už nebudu. Rozumím. Dle rozkazu. Ano, pane. Hezky opatrně. Už jdu. Ča, 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 ča. Hezky opatrně. Jak to mám udělat? Ano. Nebude to čekat, pane. Nevidím žádný pohyb. Poslouchám, pane. Samozřejmě. D'accord, on aurait pu contourner par là. Dle rozkazu. Těžká zbraň, do krytu. Ano, pane. Nepřítel. Vaše rozkazy. Poslouchám. Ok, bylo si nějak čistě ici. Samozřejmě. Jdu do krytu. Nebude to čekat, pane. Už jdu. Hledám kryt. Hezky opatrně. Měním pozici. Koko. Dle rozkazu. Bien ça. Nebude to čekat, pane. Podívám se, co tam je. Krytu. Hezky opatrně. Samozřejmě. Podívám se. Všeho čisto. Sláva Bogu. Oh, munice de mitrailleuse, c'est bien ça. Bude to čekat, pane. Hezky opatrně.
Mais d'accord, il voulait pas attaquer ce con. Moudra volba. Už tu. Super, bien joué mec. Pourquoi tu l'as pas schlax l'autre aussi? Počúvam. Presúvam sa. Sláva Bohu. Áno. Nikavo nie. Dle rozkazu. Хорошо. Samozřejmě. Rozumím. Hezky opatrně. Samozřejmě. Zaujímám pozici. Já bych pak klial se. Da čort s ním. Super. Ano. Presúvam sa. Kažeca, jaž toto videl. Jena. Podľa rozkazu. Nikoho nie. D'accord. Poslouchám, pane. Dle rozkazu. Tuto pôjde. Áno. Urobím rozkaz. Ver. Áno. Hurá! Vaše rozkazy! Do posledného dychu! Ça tire si proche que ça, bande d'enculé! Pane, útočím. Hezky opatrně. Stoj. Hledám kryt. Budeš žít. Pane. Jen klid. Budeš žít. Poslouchám. Poslouchám, pane. Jdu do krytu. Pytle. Počúvám. Vaše rozkazy, pane? Vidím. Jasná nepřítele. Vec. Som tu. Hledám kryt. Počúvám. Ako rozkážete, pane? Ešte ano? Budeš žít. Som tu! Vous êtes pas sérieux de vous louper comme ça, là? Je piateľské dielostrelectvo je vyradené. Ano? Moudrá volba. Super. Vaše rozkazy, pane. Hľadám kryt. Vaše rozkazy. Hľadám kryt. Oh, je te jure. Som tu. Poslouchám. Jen klid. Budeš žít. Rozkazy? Budeš žít. Áno. Čekám na rozkazy. Pripravený. Připraven, pane.
Schovám se. Nebo? Ano. To zvládneš. Rozkazy, pane? Som tu. Rozumiem. Bon, vu que la dernière fois l'artillerie ça marchait pas. Vaše rozkazy? C'est bon, tout le monde est soigné. On y va. Podľa rozkazu. Putain, tu parles d'un merdier? Hľadám kryt. Ok. Poslouchám, pane. Hledám kryt. Podívám se, co tam je. Si. Ano. Podívám se. Je par là. Pane. Podívám se, co tam je. Postarám se o to, pane. Ano. Rozumím. Samozřejmě. Podívám se. Paden. Jsme tam a připravený. Pojďme zničit ty zásobné sila. A všetko ostatné. Par contre, c'est bizarre que je rencontre personne. Připravenější už ne. Podívám se, co tam je. Měním pozici. Poslouchám, pan rozumím. Zdá se, že rudí mají zásobovací konvoj. Zastavte ty nákladňáky, jestli můžete. Nepřátelské vozidlo. Jdu do krytu. Snaží se utéct. Chyťte je, jestli to dokážete. Sledujte, jako to horí. Bon, ça c'est réglé. Ano? Nět. Pažalmi se, poslouchám. Podívám se. Co je to bylo? Jdu na pozici. Zalegi! Chargé! Черт тебя побери. Ano. C'est tellement utile, ça. Neznajú ka. Rozkazy, pane. No nádrž toto dělat. Ça semble être... Zaujímám pozici. En tout cas, les camions, ça, au moins, c'est fait. Pane, hledám kryt. Alors, il y a une cloche ici d'alerte, donc ok. Vidím nepřítele. Un ennemi dans ce secteur, d'accord. Musím se někam schovat. Vaše rozkazy? Ano, pane. Jak to mám udělat? Vas-y. Nebude to čekat, pane. Dépêche-toi, dépêche-toi. Jdu do krytu. Ano, pane. Měním pozici. Ah, je ressource. Je suis pas contre. Clé rozkazu. Y a un autre silo assez éloigné. Donc. Ah. Des explosifs. Ah, intéressant ça. Samozřejmě. Oh, ça pour faire sauter. Našla jsem výbušniny. Ça peut être utile pour faire sauter la réserve. Je ne suis pas contre. Zaujímá pozici. Počúvam. Skryjem sa. Ano. Ano.
Rozumím. Hledám kryt. Podívám se. Nepřítel. Postarám se o to, pane. Hledám kryt dle rozkazu. Samozřejmě. Zaujímám pozici. Poslouchám. Kryjem se. Počúvam. Idem do útoku. Jasné, chápem. Ça n'a pas fait grand-chose. Nepřítel. Vaše rozkazy? Áno. Smatrite. Legionieri. Zamězuju. Vyvolali jsme tady slušný poprask. Rudé posily už sem míří přes most. Nedoporučuji čekat na osobní setkání. Raději se pokuste zničit most pomocí výbušnin. Ah, bah tiens, justement, j'ai un pack d'explosifs pour ça. Les mecs. Postaram se o to, pane. Jsem připraven. Za republiku! Poslouchám! Ano. Hurá! Mission pour les sapeurs. Rozkazy, pane. Rozumím. Hledám kryt. Pír. Ano. Jdu do krytu. Vidím nepřítele. Jdu do krytu. Pane? Je synem smrti. Vaše rozkazy, pane. Ano. Už jdu. Už jdu. Poslouchám, pane. Podívám se, co tam je. Poslouchám. Ano, pane. Vidím nepřítele. Ano. Zaujímám pozici. Oh, mais il y a beaucoup de ressources par ici. Rozkazy, ano. Jsem na cestě. Výbušniny jsou připravené. Utečte z oblasti. Vaše rozkazy, pane. Jsem raněný. Putain, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule? Non, je suis pas d'accord. C'est quoi cet explosif qui se fait en un instant? C'est pas normal, ça. Rozumím. To je lepší možnost. Ano. Výbušniny jsou připravené. Utečte z oblasti. Rozumím. Rozumím. Nepriateľ. Smatrite! Poslouchám, pane. Poslouchám. Ano. Podívám se. Zaujímám pozici.
tak se podíváme, co tam je. To by šlo. Ano. Připravený. Hledám kryt. Vaše rozkazy, pane? Idem do útoku. Čekám na rozkazy. Granát! Ano? Hledám kryt. Zde. Podívám se. Vaše rozkazy, pane? Ano, pane, provedu. Ano? Rozumím. Ano, pane. Jdu do krytu. Hned tam budu. Rozkazy? Ano, pane. Ano! Podívám se. Jako by se stalo. Podívám se, co tam je. Postarám se o to, pane. Podívám se. Pane? Ano? Už jdu. Hledám kryt. Ano. Jdu do krytu. Tak já to vypáčím. Jako by se stalo. Hledám kryt. Vidím nepřítele. Rozděs. Jsem připravena. A ruž je k boju. Zaujímám pozici. Nepřítel. Pozor, těžká zbraň! Ano. Našla jsem výbušniny. Ano? Jasná věc. Ano. Tak se podíváme, co tam je. Už jdu. Hned tam budu. Poslouchám, pane. Podívám se. Těžká zbraň. Do krytu. Poslouchám. Jsem tu. Toto by ho malo odlákat. Čekám na rozkazy. Nebude to čekat. A
Ano, pane. Ano? Rozumím. Vaše rozkazy? Ano? Poslouchám. Jdu do krytu. Jasná věc. Hned tam budu. Zaujímám pozici. Vidím, tak se nepriatele. Podíváme, co tam je. Jdu do krytu. Připravený. Urobím to rychlo. Rozumiem. Ano? Dle rozkazu. Vidím nepriateľa. Idu do krytu. Vaše rozkazy. Už idem. Vaše rozkazy, pane? Podívám se. Som tu. Kto zdeť? Rozumiem. Zdeť vrak! Do posledného dychu! Vaše rozkazy, pane? Ano. Poslouchám, pane. Hledám kryt. Nepriaže. Samozřejmě. Jo, pravěří. Dle rozkazu. Podívám se. Zde s nikavou. Ano. Хорошо. Ano, pane. Rozumím. Připravený. Povídejte. Nebude to čekat. Já se o to postarám. Hledám kryt. Stoj na městě! Už jdu. Do krytu. Poslouchám. Postarám se o to, pane. Pozriem sa. Poslouchám, pane. Hledám kryt. Co se děje? Áno. Presúvam sa. Presne tak, pane. Našla jsem výbušniny. Rozumiem. Pojďme najít cestu ven, ať se můžeme vrátit k vlaku. Ano, pane. Podle rozkazu. Ano. Už jdu. Jdu na pozici. Jdu do krytu. Jsem na cestě.
Vidím nepřítele. Ano, pane. Nepřítel. Postarám se o to, pane. Už jdu. To by šlo? Když něco najdu, můžu si to nechat, pane? Rozumím. Jsem na cestě. Jdu do krytu. Musím se někam schovat. Pas que ça va vraiment être utile, mais là cette fois-ci c'est très bien comme ça. Et enfin ouais, j'en ai un qui est bien à la ramasse niveau sur son level, donc hop là, level up. Parfait. Niveau dépense de munitions, ouais, plus de précision, malheureusement j'ai beaucoup dépensé. Pour les munitions mitrailleuses, j'ai gagné un petit peu. Pour les balles, j'en ai perdu. Malheureusement, j'en ai perdu. L'équipement, j'ai gagné deux grenades. Non, j'ai perdu deux grenades. Et j'ai gagné une pompe de secours. Caviar et cigarettes, ça peut toujours être utile pour la revente. Ça, c'est sûr. Nouvelle journée, nouvelle victoire. Malgré vos doutes et vos inquiétudes, des fois dans la zone, ça, on l'a déjà vu. Voilà pour le... Accident de travail. Ah merde. Major, je viens de signaler une blessure au travail. Peter Mindas a eu un accident dans l'exercice de ses fonctions dans la voiture suivante. Locomotive 31, d'accord. Cela s'explique sans doute par son état et son très malade. Il faut l'envoyer se reposer si possible. Et demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de son rôle pour le moment. Oh, le fils de... Ça y est, on arrive à Samara. Alors, pas de mission, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a au dépôt? Wagon d'atelier, non, c'est bon. Wagon d'infanterie, non, c'est bon. Wagon médical, j'aurais aimé. Putain. Ah, oh, j'aurais aimé, mais j'aurais jamais les retrouvés. Voilà. Merci pour le wagon, connard. Putain. Donc, le wagon médical. Voilà. Un messager attend. D'accord. Bah, j'aimerais bien regarder un petit peu le wagon. Putain. Ouais, c'est trop grave, mais c'est pas trop mal déjà en avoir un. Ajoute un empêchement de tâches supplémentaires pour le médecin, d'accord. Ajoute un empêchement de tâches supplémentaires. Pour fabriquer de nouveaux objets ou recherche de nouvelles recettes. Ah, je suis en train de faire. Ici. Ajoute 3 livres sans allaissance, d'accord. Augmente la récupération de santé et de morale de 1 par heure. Ah, ça décide, mais par contre, je sens plus sûr. La poêle, ça peut être important, ça. Voilà. On va pouvoir installer un des médecins qui est inactif au combat. Putain. Ouais, sur le coup, oh putain.
on trouve à l'essence, pas besoin de derrière. Et putain, enfin, c'est pas trop tôt. Donc, voyons voir ce que on nous demande. Oui, il y avait certains villages auxquels je n'ai pas pu visiter. Malheureusement, bah, c'est inutile. Et bah, on est parti. Samara, une magnifique ville spécialisée dans l'art et le théâtre. Oh, intéressant ça. C'était l'ancien bastion des antivieux bolcheviques, jusqu'à ce que les rouges en prennent le contrôle. Fort heureusement, elle a récemment été libérée par les légionnaires. Ah, bien ça! Les habitants vous accueillent comme des héros. En voyant votre uniforme, un visage familier approche, il s'agit d'une messagère et diplomate pour la région. C'est bon de vous voir, Bozena. À certains moments, que faites-vous encore ici? N'avez-vous pas reçu l'ordre de battre en retraite? Je suis ravi de vous voir, moi aussi. J'ai bien reçu l'ordre, mais il me reste encore beaucoup à faire. Puis-je voyager avec vous? Il me semble que vous êtes le dernier train. Ah bon? Oh putain, une femme médecin, c'est déjà pas mal. Avec plaisir, bienvenue à bord, ma sœur. Une traversée après l'autre, et nous partons. Neskušenost našeho velícího důstojníka vyšla brzy najevo. Morálka jednotky trpěla a konflikt, který kolem nás zuřil, nám s každým dnem bral naději. Některým z nás dokonce připadalo, že v zákopech bylo líp. Ten strach nás prostě neopouštěl. Ani touha po návratu do vlasti. Ani naše odvaha. Proto jsme zastavovali a zachraňovali ostatní legionáře, kde to jen šlo, i když nás to stálo hodně. Vůdci našeho národa však stále zdůrazňovali, jak důležité je zůstat neutrální, ale na druhou stranu nám nařizovali zajišťovat vojenské cíle. Často, abychom pomohli bílým. Pomalu mi docházelo, jak je naše postavení marné. Zachovat nestrannost už zkrátka nebylo možné. Když se na to dívám zpětně, nechtěl bych nést břímě zodpovědnosti jako náš velitel. Ten hlad, hněv a zoufalství tolika životů bylo těžké ustát. Stejně jako ty boje, které se táhly a táhly a neutuchaly. Bouře nad neklidným lidským mořem. Uf, 1300 km parcouru pour aller à Samara au total. Hein. Oufa, prochaine destination. 9 jours au total. Ben, on n'a pas chômé au final. Hein. Vous avez terminé le chapitre 2, d'accord. Ben, c'est sûr, je pense que ça aurait été un peu plus sécure d'aller au sud, d'aller au nord. Je pense que quand je vais faire le prochain, promis, je prendrai la zone safe. Parce que là, se faire traquer tout du long, ça va pas être simple. Hein. Surtout pour certaines améliorations, et surtout que c'était l'erreur de ma part d'avoir choisi le mode difficile, parce que pour faire les améliorations, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est pas mal. Surtout qu'on a reçu une nouvelle unité, une nouvelle personne. Ouais. Pour l'instant, bah... Il y a lui qui a fait pas mal de taf, il est sergent. Et il a fait toute cette mission. En même temps, je comprends. Je comprends que j'ai bien fait de choisir dans beaucoup de missions et de lui décerner certaines médailles parce qu'il a quand même fait pas mal de taf. Rozkazy, majore. Říkají, že náš vlak bude tím posledním, který vyrazí do Vladivostoku. Jenže naši legionáři jsou roztroušeni po celé trati. Je klíčové, abychom všechny přivedli domů, takže budeme muset prohledávat vesnice a přeskupovat se na určitých stanicích. A to bez poprasku. Je důležité, abychom Rusy nedráždili příliš. Tohle není náš boj, ale zdá se, že komunista je teď každý a všichni chtějí naše zbraně. Možná nebudeme mít jinou možnost, než se probojovat. Naší hlavní starostí je teď logistika. Čím víc zbraní a zásob dokážeme získat, tím větší budeme mít šanci, že přežijeme nástrahy, které nás na Sibiři čekají.
mon frein. Samara, ok. Voilà, vache. C'est long celui-là. Et il y aura un conflit dans le dernier. Putain, qui va être dur et qui va être difficile. Bon, je crois bien que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et c'est sûr, pour celui-ci, pour ce trajet-là, ce sera pas en un seul. Hein. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao, c'était El Caméléon dans Last Train Home. Et je me demande si je devrais pas faire quelques améliorations du train parce que... je crois que je serai safe tant que je serai dans le village de départ. Je crois. Déjà que je suis ruiné. Sauf en ressources pour la plupart. Mais putain. Oh. Non, arrête. Non.